Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, ouais, tranquille. Donc là, on vient juste d'assister à un classico absolument magnifique de la part du Paris Saint-Germain. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, oui, mais nous, on est encore en Europe. On brille encore en Europe. On est la seule équipe française qui brille en Europe. Moi, je vais vous expliquer une chose. Vous êtes la seule équipe française qui brille en Europe par votre nullité absolue. Marseille, vous êtes venu à Paris. Hein? Là, vous n'êtes pas à PAOK. PAOK ou je sais pas quoi, là. Vous êtes parti en Grèce, le pays le plus endetté d'Europe. Vous êtes parti gagner là-bas. Et puis vous venez, vous faites les malins. Qu'est-ce qu'on a fait là? On vous a donné un petit rendez-vous, un petit rencard, hein, à 20h45 au Paris Saint-Germain, hein, au Parc des Princes. Qu'est-ce qu'on vous a fait pendant ce date, hein? On vous a expliqué c'est quoi le foot. Un speed dating, hein. Tu vois ce que Messi, Neymar, oh là, le roi. Même pas 10 minutes, il met un but. Oh là, mais les Marseillais, non mais je comprends pourquoi vous aimez pas le Paris Saint-Germain. Je comprends. Hein? Ça fait au moins plus de 10 ans. Sur 10 ans, vous avez gagné une fois contre le Paris Saint-Germain. Tu te rends compte de cette dinguerie? Hein? Et même pas, je dis 10 ans, ça va faire 12 ans là maintenant. 12 ans. 12 ans, une victoire. Ça fait combien de matchs? On vient, on vous frappe chez vous. Vous venez à la maison, on vous frappe. La dernière fois, vous nous avez frappé en début de saison. Et après, la saison, elle était terminée. Vous avez fini 16e ou je sais pas combien. Bon, je sais, il y en a plein qui vont dire, ouais, tu dis n'importe quoi, blabla. Mais tu connais, je vous envoie une petite crotte de nez. Vous êtes nuls, tu comprends? Vous êtes nuls à chier. Voilà, c'est pour ça que vous jouez le jeudi. Nous, on vous a jamais vu jouer le mardi ou le mercredi. Faire des bons matchs. Nous, on vous a jamais vu faire ça. Jamais, ça n'existe pas un match de Marseille qui est de qualité le mardi ou le mercredi. Là, vous êtes venu dimanche. Hein? Dimanche. Week-end de Pâques. Vous êtes venu. On vous a frappé comme du n'importe quoi. Vous étiez là dans le Parc des Princes en train de chercher du chocolat. Vous êtes trop nuls. Ouais, vous êtes trop nuls. Et regarde, il y avait qui là? Saliba. Que des joueurs qui rêvent de jouer au Paris Saint-Germain. William Saliba, il a dit que ouais. Moi, si je marque au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, ça sera un rêve pour moi. T'as marqué, mais le but a été refusé. Tu comprends? Payet, lui, il a aucune coupe, à part la coupe Gambardella, et une coupe de cheveux absolument pourrie. Comment il s'appelle? Bakambu. Normalement, il est titulaire. Tu vois? Le mec, il a grandi à Vitry-sur-Seine. Il est parti jusqu'à Marseille. Maintenant, il joue sur le banc. Hein? Et puis lui, on entend des vocaux de lui, des vocales de lui, des vocaux. Il est là, il parle et tout, je sais pas quoi. Oh là là, mais Bakambu. Mais pourquoi t'es allé à Marseille? Tu joues les 2 minutes, 3 minutes comme ça, d'une équipe qui a une histoire, entre guillemets. Vous êtes trop nuls. Trop nuls. Oh là là. Y a rien. Tout est à jeter. Tout. Votre entraîneur là, Gérard Jugnot là, celui qui joue dans les choristes. Hein? Il faut changer. Qu'est-ce qu'il fait pendant les entraînements? Vois sur ton chemin, gamins oubliés. C'est comme ça que vous vous entraînez? Eh ben voilà. Là, on a vu que sur votre chemin, vous avez tout oublié. Vous avez oublié le football, les règles, comme quoi il y a des hors-jeux. Et puis vous êtes là, vous pleurez. Vous êtes trop nuls. Trop nuls. Oh lolo, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes les deuxièmes de France, du championnat de la Ligue 1. Hein? Mais vous êtes les premiers plus nuls de tout le championnat. Tu entends ce que je t'explique? Ouais. Parce que le Paris Saint-Germain roule sur la France. Oui, vous pouvez dire que voilà, on s'est fait fracasser en Ligue des Champions, on est la risée de la Ligue des Champions. Mais quand on arrive, on vous donne des dates au Parc des Princes, vous venez déjà à l'heure. Hein? Vous venez à l'heure. Et puis on vous fracasse. Et puis après vous dites, ouais, mais c'est normal, c'est le Paris Saint-Germain. Allez, tiens, MSN, t'as vu ça? C'est quoi? Nous, c'est pas MSN. Non, nous, c'est M&M's. M&M's dans ta bouche.